most people don't do it the way I do. Very personal. So like, you give them the money in 20s, 10s, 20s, you know, like whatever. I just love association. Most people don't do it the way I do. Very personal. So like, you give them the money in 20s, 10s, 20s, you know, like whatever. I just love association. Thank you.
1-2-1-2, test. Bonsoir. Ah, la fatigue. Mais c'est pas grave. Car même si la journée fut aussi longue que... pas la semaine dernière, mais les deux semaines d'avant, ou même les deux dernières semaines, je suis... Comment dire? Je suis toujours debout. Non, j'ai douillé aujourd'hui, mais demain je commence plus tard, donc... Au final, comme j'avais dit l'autre jour, je faisais tout pour streamer aujourd'hui. Donc ça va, c'est cool. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, bah voilà, 35 heures. Hein. Donc, bon, Persona 4, ça va... Cet homme a toujours la banane. Ah oh, non, pas toujours. Hein. Salut, Rist. Ah ouais? Ah, la loose. Salut, Arsène. Putain, et tous les râleurs. Mais, bon, toujours la banane. Oui et non, quoi. Et en parlant de ça, bon, vite fait pré-live, j'ai vu un streamer populaire, MDR, qui parlait du fait que Twitch, attention, il ne fallait pas prendre de vacances, tu ne pouvais pas. Prendre de vacances, de repos, tu ne pouvais pas annuler des streams, tu devais te mettre à 100%. Oui, mais non. Puis je me suis souvenu que ce mec avait déjà eu des propos problématiques et surtout que il s'était fait un paquet de thunes en jouant à des jeux d'argent, à des casinos en ligne, et qu'il avait une moule pas possible. Bien joué à lui. Non, après je vais reconnaître quelque chose, c'est que il a joué à des jeux d'argent, il a tenté sur le net en plus, donc c'est-à-dire que tout le principe de probabilité X-Ras. Principe de probabilité et tout est un peu niqué dans le sens où c'est beaucoup plus RNG que ne pourrait l'être. C'est un peu RNG type jeu, mais dans le style inguacable. Il a réussi, très bien. Moi je. Après il fait sa vie. Mais c'est vrai que ce genre de propos arrive en disant oui, alors si en gros tu ne te sens pas bien, en gros si tu n'es pas bien et que tu ne streames pas, ben tu es un connard. Bon, le propos est pas aussi dur que ça, mais la réalité, c'est que bon, merde, hein, on est humain, hein. Quitte ton boulot, je viens de choper un 35 heures, l'autre il me lâche un quitte ton boulot. Mais ta race, boulebet, vu le bas. Mais bon, bref, propos problématique, parce que tout simplement, déjà, il y a la. Faut prendre. En plus, j'aime bien son propos, est quand même assez problématique dans le sens où. Il y a des streamers qui ne font pas de planning. Et je parle pas de streamers ultra populaires, mais juste des streamers qui sont au-dessus de moi en termes d'audience, même à mon niveau, même en dessous. Mais il y en a qui tournent pas avec des plannings et ça marche très bien pour eux. Donc après oui, c'est sûr que c'est sûr que oui, moi ça me fait chier. J'ai tenu des plannings. Alors c'est sûr, j'ai pas toujours respecté, mais bon, c'est sûr que. Je me tiens à ça parce que ça m'aide aussi. Mais faut pas se mettre martel en tête, comme dirait. Ça sous-homme nique son avis. Non, Payton, faut pas partir sur les extrêmes. Alors lui part sur un extrême, et justement, le contre-pied, c'est ne pas partir sur les extrêmes. Mais bref, très amusant. J'ai lu un peu les réponses, j'ai vu des avis éclairés de gens que je suis, et d'autres personnes qui sont arrivées pour lui dire « Mais ferme-la !» Bon, bref. Exactement, Ridley, j'en suis la preuve. J'ai essayé de professionnaliser mon activité pendant un temps. J'ai jamais tiré 2000 balles. Je crois que depuis que j'ai commencé le stream... Alors, depuis que j'ai commencé le stream, j'ai dû toucher 2000 balles. Et on est sur plusieurs années. En plus, il y a eu une période où tout ce qui était argent n'existait pas pour moi. J'étais là plutôt plus pour le fun. Ce fun est toujours là, hein, la preuve. Hein. Je fais toujours de la merde. Si je voulais faire quelque chose qui marchait, bon, je pense qu'il faudrait commencer à sucer la hype. Alors oui, parfois je fais des jeux en day one. C'est ça, c'est un luxe, exactement, Payton. Comment dire? Alors pour certains, c'est une solution, une tentative de solution. Pour d'autres, c'est transformer une passion en quelque chose d'autre. L'amener à un stade supérieur, ce qui est mon cas, hein, je le rappelle. Le streaming, pour moi, c'est une passion. Lorsque nous arriverons en avril 2020, après 8 ans, je streamerai sur Twitch.
Lorsque nous arriverons en juillet 2020, ça fera 5 ans que je gagne de l'argent de manière régulière avec Twitch. Après, là je passe en 35 heures et tout, bref, selon ce que me donnera la vie. De toute manière, Twitch restera pour moi quelque chose que je ferai, qu'il y ait de l'argent ou pas, parce que c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime faire. Après, s'il s'avère que par un coup du sort merveilleux, je puisse en vivre, bah soit, je serai très content. Ça sera, j'atteindrai un but, un de mes buts, une de mes envies, un de mes rêves peut-être aussi. Et j'arriverai à quelque chose, mais c'est pas le point final. Et bien voilà, c'est si Twitch au final, au niveau, on va dire qu'entre le temps que je peux en investir, l'argent que ça me rapporte, l'argent que j'ai en dehors et le reste. Bah si à la fin faut se dire bah non, on arrête les conneries, on revient à un truc beaucoup plus coolos, on continue à faire ça, on se fait chier à faire des trucs pour déconner, puis on fait ça pour le plaisir, et bon on fera ça pour le plaisir. On bat les couilles. Bon ça me fera chier d'un autre côté. Et je vous avoue que c'est très particulier ce principe de transformer une passion en métier. Et ce, quel que soit le sujet, je rappelle. Hein. En guise d'exemple, on a quand même. Je vais vous prendre par exemple les écrivains. Tout ce qui est écrivain, dessinateur et compagnie. C'est un... Comment dire ? C'est encore pire, je trouve, parce que ça reste... Nous, on arrive... Les musiciens, merci Payton, exactement, les musiciens, on va rester sur des métiers de l'art. Il y a aussi des métiers qui ne sont pas liés à l'art, qui sont aussi dans ce genre-là. Par exemple, les artisans. Quoique non, ça reste de l'art. Est-ce qu'il y a un métier qui n'est pas lié à l'art, mais qui dont l'entrée dans le milieu créatif, dans le milieu professionnel est compliquée? Oui, mais après les problèmes d'édition. Les musiciens comme toi, mais t'es musicien un peu étonne, tu joues trop quoi. Salut, cher Mathéos. Non, mais je veux dire, voilà, ça fait partie de ces métiers. Ça fait partie de ces métiers où, de toute façon, dès qu'on part dans l'art, dans le créatif en général, le principe de professionnaliser ça est très compliqué. Ah, tu composes depuis 15 ans, d'accord. Je savais pas, Payton, hein, c'est pour ça. Mais après, tu composes... Alors par contre, tu composes... On va être à destination d'instruments dits classiques ou plutôt de MAO? Ça, la vraie question, parce que si tu fais de la MAO, moi, ça me... Je veux écouter ça. Salut, Doc Rider. Et donc oui, voilà, tout ça pour dire que ce sont des métiers créatifs. Les métiers créatifs, quels qu'ils soient, que ce soit de la création... Que ce soit de la création écrite, musicale, vocale, visuelle... L'art, la sculpture, du moins l'art dans son sens premier qui va être plutôt autour de la sculpture, de la peinture et compagnie. Bref, reste des... Oh, t'es violent, Payton, ce soir. Oh, t'es violent, Payton, hein, ce soir. Faut se calmer, hein. Oh. On parle d'un sujet... En plus, c'est bien, c'est un sujet où on peut tous parler, on peut tous arriver avec un avis, quelque chose d'intéressant. Et ça arrive... Ah, oh, moi aussi, pendant 2 secondes, j'allais dire que tu joues du pipeau, donc bon, ou de la trompette, ça va. Oh, faut se calmer aussi, hein. Prendre les choses un peu plus bas. Mais bref, pour revenir sur le sujet, parce que j'ai pas envie de... Et même pas, et je l'évite exprès. Ah, oh, hey, j'ai pas envie de commencer ce soir à faire papa qui gère les enfants. Et puis même, je sais qu'on va me dire oui, mais non, mais t'as pas besoin, on gère bien entre nous. Donc bref. Bref, ça va me casser les couilles en 2 secondes. Donc bref, pour revenir sur les métiers de l'art, ça reste des métiers compliqués. Ah, vous vous calmez, merci Ridley. Voilà, Ridley qui vient calmer. Ça reste des métiers compliqués, quels qu'ils soient, que ce soit des métiers jeunes, des métiers plus anciens, des métiers ancestraux. Mais bref. Donc après, c'est un problème récurrent, quel que soit le truc. Bon après les faces de fion, les fermes taras, bon. Un peu plus de délicatesse s'il vous plaît. Voilà, bref. Ah. Je vous avoue, je suis claqué, je garde le sourire, on va se calmer. Bon, c'est moi qui vais calmer. J'en ras le cul. C'est bon, il y a déjà assez d'emmerde. Déjà, il y a déjà assez de drama en général. Oui. Bon bref, tu composes, mais tu composes quoi?
C'est ça ma vraie question, parce que composer, est-ce que tu vas composer des partitions? Est-ce que tu vas composer sur de la MAO? Est-ce que tu vas... Voilà, des trucs comme ça en fait. C'est la vraie question au final, c'est la question. En dehors du fait de jouer du pipeau ou de râler pour jouer de la musique, bah, ça me fait marrer. Quoique... Ah non, 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 trash, alors je quitte trash, déjà trash, moi j'ai jamais su... Vu que je connais un peu Giga Etienne, c'est vrai que trash, j'ai toujours été très loin. Du Sardoche, il fait sa vie, et puis basta. Il fait de la merde, il fait de la merde. Très bon. En plus, vous voulez savoir, je me souvenais plus, mais je m'étais retrouvé avec Sardoche à la ZRT Cup. Les catéhuristes, c'est des mèches qui s'allument, c'est des. C'est des. Voilà. Vous jouez au grand. Et vous demande juste de rester poli entre vous, et puis voilà, quoi. Et, ça part en cacahuète, c'est moi qui prendrai les décisions, et puis voilà. Mais Sardo, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré pendant la ZRT Cup. J'étais avec Schultz. Et en fait, je le croise. On a discuté un petit peu. Bon, c'était très très succinct hein, au final. Mais en fait, sur le moment, quand je l'ai rencontré, il avait l'air très sympathique. Et en fait, je m'en suis souvenu quelques années après. Quand en regardant ses streams, je me suis dit, mais c'est la même personne. Franchement, il était vraiment calme. Bon, je suis resté quoi, 20 minutes, une demi-heure. Mais voilà quoi. Donc après Sardoche, je sais pas trop quoi en penser, c'est problématique d'un côté, ça reste une problématique où je n'ai pas mon mot à dire parce que je ne le connais pas assez. Et je pense que d'autres personnes ont à dire ce qu'ils ont à dire. Après, voilà. Je m'en fous un petit peu après tout ça. Oui, le ban de LoL de 6 mois, j'ai entendu. Est-ce que ça sera bénéfique ou pas? Ça, je vous en laisse juge. Mais bref, on a bien parlé. On va jouer. Parce que bon, sinon il y en a un qui va s'énerver comme quoi on met 10 ans à finir ce jeu de merde. Allez, c'est parti, allez, petit générique. Et go. Enfin, ce générique qui plante au début, au secours. Alors, on en est à je sais pas combien de temps de jeu. On a le boomerang, le grappin, le champignon magique qu'on a déjà donné, la baguette de flamme, le marteau, le merde, le fil à papillon, le créateur de bloc, là, le bâton du bloc, la cape d'invisibilité et le miroir. On a un bocal, ouais. On a l'épée 2, on a les bottes, on a le gant 1, on a le bouclier de base, on a la tenue de base et on a le. Super joyau pour aller dans le Dark World. Alors code, par contre, je comprends pas le code. Bon bref. Merde. Oui. À la maison. Attendez, je me souviens des touches. Voilà, c'est bon. Alors par contre, la grande question. C'est qu'il faut qu'on se retape le trajet jusqu'à Perpète là pour aller dans le Dark World? C'est ça? Je me demande s'il n'y a pas moyen d'arnaquer le jeu quelque part. En fait, ça me fait chier de pas avoir les palmes et le. C'est pas dans le village de Kokiri. Merde! J'avais mon super truc enfoiré! Ah, j'avais mon attaque. Oh vite, un cœur. Bonjour. Au revoir. Allez, adieu. Attendez par là, on peut passer. Ah, j'ai peur que non. Oui, on a la Master Sword, on a chopé la Master Sword la dernière fois. Salut. Allez, bisous, hein. Non, j'ai pas les trois pendentifs du tout. C'est un randomizer, je rappelle, donc le principe c'est que tout simplement c'est de l'aléatoire. Allez, salut, hein, les cons. Mais bonjour, oui.
Mange bobinet. Oui. Est-ce qu'il y a un passage par là, je crois? Ah non! Vite! Je vais me faire attaquer, j'ai peur, maman! Alors par contre, c'est par où le... Il y avait Ben la dernière fois qui m'avait dit qu'il y avait un accès au Dark World depuis le village. Non. En gros, il y avait un accès dans le coin qui existait pour accéder au Dark World, mais j'ignore où c'est. Le Rodin. Comment on va? Bah ça avance. Par contre, je sais pas où est l'accès du Dark World ici. Il paraît qu'il y en a un. Bon après j'ai le dos claqué mais... Ici c'est toujours pas possible. Mais non. Ce qui me fait chier en fait c'est que j'ai pas le la torche... La... Mais il est où? Il y en a un ici mais où? Si vous me dites que c'était là où il y avait le caillou, j'insulte des mers. Il est là le Dark World, où ça? Derrière le... Non il est derrière le rocher nul. Derrière l'énorme caillasse qui me bloque. Ah putain. Ah ouais, donc pas là. Bon bah. Il n'y a pas d'autre accès au Dark World ici? Il n'y a pas un autre accès cool qui traîne? Tape dessus avec le marteau. Le marteau il arrive et il clue. Il n'y a pas un autre accès. Merde. Oula, je suis tombé sur une limite. Comme plusieurs centaines de coups, ça va casser. T'en as deux des conneries comme ça? Oh, je les ai explosés. Plus ça, c'est la forêt de ses morts. Ouais, c'est ça. Oui, 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 je vais te faire. Oui, oui, je vais te faire chier. Et chier. Oui, ça me fait chier. Je n'ai pas la torche, je ne sais pas où aller. Est-ce que on essaierait pas de choper? Y a pas un... Il y avait un truc, est-ce qu'il paraît, pour choper tous les endroits importants du début, mais bon. Ouais, il me faut la force, c'est ça. Non, bah, on va se rendre au. On va se rendre au... Comment on appelle ça? Merde, t'es con. On va donc aller direction le temple, et puis on va prendre le téléporteur, et on va essayer de rejoindre par ici. Quoi. En plus, c'est bien, on a le grappin, donc c'est cool. Il m'a dit que je pouvais faire... On m'avait dit que... Ah, mon chat a planté. Ah. Oui, j'ai pas les palmes non plus. Il y a Henri qui m'a dit que je pouvais faire le donjon du village de merde, là. Village du Dark World. Donc on va s'y rendre. C'est par là, je crois. Je me souviens. Ah non. Mais ici, c'est une banane, hein. Ouais, voilà, c'est une banane. Et Aveugleman pour l'accès au Dark World au village? Quoi? Comment ça, aveugle? Oh, et ben... Ah mais attendez. Ah oui non, ça c'est pour revenir du Dark World. Merde, putain, ah non, ça c'est nul. Donne-moi un cœur. Ah, oh, foiré. Alors là, vous faites... Il y en a quelques-uns qui font les dingues, mais... Non. Nick. Nick. Ça me fait chier si j'ai pas mon super... Y'a pas un accès là? Pas un truc là? Oh là, y'a Aveugleman et... Déjà j'ai trouvé le jeu sur lequel Sir Matteo s'est vénère. C'est Zelda 3. Oui, c'est la merde. Oh putain, Nick. Je viens me faire chier, je me casse en courant. Ok.
Là, faut que je fonce, hein, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Ah putain, et merde, j'ai perdu la moitié de ma vie, il fait chier. Quoique, normalement, ils se prennent des grandes baffes. Ah non, 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 ils font mal. Y'a pas un cœur? Et Camille observait la zone aussi, putain. C'est Mathéos qui devient. Qui se transforme. Bon, pas grave. Bonjour, oui, voilà. Merci. Je vais vous le lire sans paix parce que j'ai hésité pas aider. Bientôt est présent qu'il y a la tonne de. Oh putain, ils font chier. Hop. Merci. Allez, salut, hein. Alors, on va passer de ce côté-ci. Ah non, voilà. Qu'est-ce que ça me dit ici? Dark Palace, oui, ok. Ah non, putain, c'est par où? Attendez, c'est par où? C'est par où? C'est par où? Ah non, c'est par en bas, quel connard. Au revoir. Je me casse, faut que je me casse. Faut que je me quitte. Faut que je me bats. Il faut que je me bats. Il faut. Ah non, c'était par là-haut. Ah non, faut que je re. Ah, oh, je suis un idiot, excusez-moi. C'est là, je crois. Par ici, oui. Avec les cochons. Oh putain. Allez, salut, hein. Dégage. Normalement, c'est par là. Merde. Voilà. Et donc maintenant. Pas une arnaque par ici à tout hasard? Non. Ah putain. Ah, deux fois. Quel idiot. Et je me suis vraiment bien lancé de. Oh non, pas le kleps. Le kleps démoniaque. Attendez, c'est où ça? Qu'est-ce que c'est que ces baraques? Bonjour. Enchanté. Enchanté. Non, je ne suis pas là. Pourquoi elle est inaccessible? Intéressant qu'elle soit inaccessible. Ah, ah oui! D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ce bouclier à 500 balles? C'est juste pour relâcher un moustique, je vais hurler. Hein. Ah putain. Ah oui! Et il fout la zermie aux autres. Non, 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 va voir tes maîtres. Voilà, va voir les gens. Oh génial! Ah, calme-toi. Ah, oh oui! Oh le moustique vénère! Oh le moustique vénère! Mon nouveau meilleur ami. Ah, dommage, il est mort. Allez, salut. Hein. Non, 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 non. Oh, je suis pas là. Renard. Bon, adieu l'abeille, elle nous a carry. Oh putain, ici ils sont vénères, ici les vénères. Ici les vénères, ici les vénères. Ici les vénères. Donc faut que j'aille ici, à l'entrée du donjon maudit. Et à ce qui paraît, ici j'ai tous les éléments pour. J'ai le grappin et j'ai tout. Ouais, c'est parti, on va le tenter. Ah putain, y'a ce truc là. Ce truc là.
Oh putain. Et vous savez quoi? Allez, c'est parti, on n'a pas le temps pour cette connerie. Petit quart de cœur. Je ne suis pas là. Eh, je suis pas là. Allez, salut. Oh là! Putain, j'aurais dû la... J'aurais dû la choper réellement. Oula, il y a des trucs dans l'ombre. Attendez, quoi? Hein? Ah, d'accord. Bouton? Non, cœur. Quoi? Mais comment on ouvre? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai pu rater? L'abbaye cool, l'abbaye cool, l'abbaye cool, ouais. Non. Ah! D'accord. Merde! Je vais déjà visiter le bas, on sait jamais. Ah bah voilà! Bon, c'est bien, le grappin fait le même effet que le bout. Un peu peur. Pas du tout face à quoi je vais. Essayez de le chercher. Oui. Eh, hey, du pognon. Ok, donc ça veut dire que... Ok. D'accord, ça c'est intéressant. Ah. Ah oui, c'est vraiment le donjon de merde. Ah, hein? Ah? Quelque chose que je ne comprends pas. D'accord. Utiliser l'épée permet de tuer les ennemis, merci. D'accord. Génial. Oui, ok. Je viens de comprendre un truc. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est que le layout est toujours le même. Clé du boss. Ok, la clé du boss est là, ce qui a pas l'air d'être... Puis est déjà là. Éteindre et rallumer le jeu. Donc, si je passe par là... Oui, il y a une nouvelle pièce. Ok. Est-ce que ça serait... Salut Sub-Zero, ça va. Putain, Sub-Zero, c'est toi Anonymous sur Discord. Quatre pièces. Ça va et toi? Attends, il est quelle heure chez toi pour être debout là? Ah non, il est 7h du mat. Ah ah. Ah donc c'est bien toi Anonymous. Ah, et dis-le quand on te demande, bordel. Moi j'étais en mode c'est qui ce con. Ah, il y a un truc à casser. Vite, vite, vite. Oh putain. Eh merde, je suis pas passé du bon côté. Quoique, attendez. Non. Donc je suis pas du bon côté. Et... L'autre est parti en cacahuète tout seul et toi tu m'énerves. Attendez, comment on monte? Tac. Ah, deuxième mur à bombe. Ah, donc il
Il y a un mur à bomber de ce côté. Ah, c'est ça l'arnaque. C'est lui, putain. Oh, mais même moi j'étais en mode. J'étais là, j'étais vraiment le. La blague et tout. 7h47, je suis en cours. Incroyable. J'étais en cours. D'accord, donc maintenant qu'on a trouvé ça. Hein? Et si on part de ce principe, est-ce que ça voudrait pas dire que tout le donjon est basé sur cette histoire de bombage? Putain. Non. Non. Merde. Oh et merde, j'ai de la daube. Faire du Fortnite s'il te plaît? Non. Attention hein, je vais être violent hein, si on me demande des trucs comme ça, je deviens violent. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de miroir? Non. Pas tout compris, c'est pas grave. Au problème vous. Alors. Sir Matteo, ce qui est au bout. Ah, mais ils ok. Je me demande si la règle du. Il a bientôt insulté Jean. Attendez. Je peux te contacter sur Discord? Non. En plein stream, donc je t'avoue que j'aimerais éviter. Minutes, il sera déjà 22h10. Ah non, je suis mort. Je comprends pas trop le principe. Ici, par exemple, comment j'atteins ici? Ah mais je suis con, j'atteins par là. Ah mais j'atteins par là. Attendez. Ah oui mais j'atteins par là. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse ça. Oh putain, laissez-moi passer. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille là. Et ensuite ici. Et ensuite là. Ah GG Ridley. Et là, paf le coffre. Déjà... Ah oui, d'accord, c'est rapide. Et donc... Pourquoi? Que s'est-il passé? Pourquoi je suis redevenu un espèce de truc? Ah oui, non, faut que je remonte ensuite. Ok. Et salut. Ah, c'est ça! Ah, d'accord, c'est juste ça. Voilà, ok. Maintenant, la grande question, ça va être le boss. Est-ce que le boss va être infernal ou est-ce que ça va être rigolo? Oi. C'est pas un donjon classique, déjà. Pas du tout un don... Putain, c'est quoi ce donjon? D'accord. Bon là on avance. Oi. Oi. Double oi. Merde. Putain. C'est ce genre de donjon.
Ces genres de donjons de merde. Ah non! Ah, franchement, si c'est si il m'insulte, par contre, la modération, elle sait quoi faire. Alors, on va recommencer 25 fois, mais au bout d'un moment, on va comprendre. C'est amusant que la clé du... Ça va être un... Ça va être un... En fait, ce donjon, c'est un espèce de River Soul, mon... Ah, je suis dans la bonne pièce, donc ça veut dire que je peux déjà monter. J'esquive ça, on récupère des bombes. Gros, t'as quel âge? 25 ans? Mais j'ai... Non, tu m'appelles pas gros. Merde! Quel daube. Mais... Pascal! Yep! Appelle aveugle man. Le Théo. Non, c'est pas comme ça. Hein? Attendez, si je vais là. Ok, le boss est pas activé. Bon, toujours du pognon de gagner, mais ça fait chier. Non mais c'est bon. Ouais, ya ya. Bon. Merde, aïe. Quel c'est... Quel... Jeu de merde. Attendez, j'ai une idée. Ah non, pourquoi je suis mort? Je crois que j'étais invincible. Non, c'est pas interdit au moins de 18, mais... En plus, on a déjà eu des jeunes viewers. Sérieusement, on va vraiment discuter de l'âge des gens. Bon. Retour dans la salle craint dans le speedrun. Ah, ils me font chier un petit lick du pognon, mais oui, mais je comprends, c'est toujours du pognon, mais bon. Salut! Ah, mais attendez! Est-ce qu'on peut arnaquer le jeu? Voilà. Alors maintenant. Le moment de ma vie. Fais gaffe où tu l'envoies. Fais gaffe où tu l'envoies. Oh pu. Oula. Un cœur. On va déjà aller voir. Zelda. Reviens ici, Jean-Michel. Oh, ça pue. Oh non! Venez voir Tonto! Viens voir Tonto! Merci. Je ne suis pas là. Donc, ça, ça veut dire qu'on va bomber ici. Hein? Un live Link's Awakening.
Non. Bah si je pouvais, oui, mais non. Ok. Pourquoi pas, mais... Ah, un coffre. Oh putain. Merde. Oh génial, j'ai une abeille. L'abeille cool. Ok. Attendez. Putain. Ah. Pas une histoire avec la lumière. En gros, la lumière, ça le fait apparaître. No problemo, truth. Voilà, ça, normalement, c'est ouvert à vie. Oh putain. Oh punaise. Oh punaise. Oh mon dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Non, mais ce grappin. Ce grappin. Le grappin au secours. Mais attendez, donc ça veut dire que là, c'est bon. On a fait ça. Maintenant, c'est ce chemin à la con qui m'intrigue. Pas le grappin, mais si. Je vise un ennemi et non. Oh. Ah, si j'y retourne là. Oh putain, toi je t'ai pas vu. Non, non, on s'est pas vu, on se connaît pas, très bien. Allez. Là, si j'y retourne, il y a la lumière. Donc on a oublié un truc. Ok. Ça me va. Oh putain. J'en ai marre qu'il me donne du pognon. Ah bah oui, c'est tout simple tout d'un coup. Ouais, ouais, reviens aux chiottes. Ah putain. Oui, oui, j'ouvre si je... Mais je suis pas paumé. Pas encore. Non, tu m'as pas vu. Voilà. Ah! Oh l'enfer. Oh l'enfer, c'est les autres. Hein? On va d'abord partir de ce côté vu qu'on vient d'ouvrir. Oh l'enfer, qu'est-ce que c'est que ça? Oh Mathurin et... Oh putain! Stressé les cons. Ah bah tiens. Oh bah tiens, bonjour. Et attendez. Ah mais j'ai plus de magie. Vénère. Oula, c'est quel enfer ça. Oh putain. Oh mon dieu. Mais quoi? Non! Oh non! Oh non! Oh putain, la fée!
Non! Quoi? Attendez, quoi? Tout ça pour ça? Je comprends pas. Ah, mais y'a un truc au milieu alors. Non, ok, nick. Comment ça, le streamer est pas lucide? Attendez, quoi? Ah, hé! Deux secondes. Attendez, on va se remettre en entracte, les enfants. Je suis en train de jouer à un randomizer, un jeu que je n'ai jamais terminé. Je crois que le plus long que je suis allé, c'était le deuxième ou le troisième cristal à l'époque. Je vais pas commencer à me péter une durite. Et au lieu d'arriver en disant je constate juste, mais oh hein. Quel est le fuck? Une banane ici à tout hasard. Non. Non pas. Merde. Mais je comprends pas. Oui. La map d'en bas est la même que la map d'en haut. Hein? Ça c'est fermé normalement. Ah oui, non. Là évidemment. Putain, quel con. Quel con. Bah non. Moi je m'étais dit bah... Attendez, je comprends plus là. Dans une pièce à deux combats, tu dirais qu'ils sont à visiter. J'essaie de con. Eh oh, j'essaie de découvrir. Je découvre le jeu. En plus, là, il y a les deux clampins. Ça va. Où toi? Meurs. What? C'est quoi cette arnaque? Putain, la... Sérieux? Oh, il y en a une merde. Ah, oh, il y a Jean-Michel. Oh putain, non, je suis pas là, c'est pas moi. Bonjour, au revoir. Là aussi, je suppose? Non. D'accord, donc on se récupère Jean-Michel. Ah bah, oh bah, bah. C'est quoi? C'est quoi lui? Hein? Oh putain, oh merde. Échec. Le Ice Rod, Ice Roto. Donc, maintenant, si je me souviens... À peu près. Ah oui.
Bah voilà, merci, tu peux pas le deviner. Donc Jean Micheline. What, ouais, attendez 2 secondes. On va avoir un accès rapide. C'est bien d'avoir une banane. Et salut, hein. Bisous. Voilà, merci. Archivionis Master, Drum Up The Ambience. Putain, c'est quoi ça? Ah, évidemment. J'ai pas... Ah oui, mais c'est lui! Ah, c'est ce chien de poubelle ancestral, c'est bon, je vois qui c'est. Vas-y. Et ça fait ta vie. Attendez, je peux faire ça? Non. Putain, putain. Ah, la tête, c'est l'enfer. Faut quand même pas que je me refarcisse le moment où faut que j'aille chercher Jean Micheline. Comment tu... Ah mais ce boss a l'air d'être l'enfer sur Terre. Oui, c'est le boss purge. Mais je me souviens de ce boss quand j'avais vu des speedruns. Oula, ça lag. Oula, ça lag. Coup trop dit. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, non. Et là, c'est bon, je peux le refaire sans avoir besoin de chercher Jean Micheline. Non, mais non. Oh, merde. Game over. J'ai jamais réussi. Ok, attendez. Et la baguette de glace, c'est la baguette qu'on... Putain. La baguette qu'on récupère normalement ici. Et attendez, si j'arrive... Non, dégage. Dégage, Jean-Michel. Voilà, dégage. Donc la question qui s'impose. Question qui s'impose. Comment je triche? Putain, par contre le... Eh merde! Putain de... Oh! Pas me donner autre chose que du pognon, bande de con.
Attendez. Combien de fois faut se le farcir? Putain, allez, c'est parti, Dodonpachi. Et merde. Bon, si je quitte et que je reviens, ça sera ouvert. Bon, il me faut de la magie. Tu me donnes de la magie? Tu me donnes de la magie? Non, non. Tu me donnes de la magie? Ouais. Hacker. Bon, ici c'est pareil que là. Tiens. Monsieur Porc. Putain. Mais ouais, mais justement, c'était que le souci, c'est que je crois qu'on avait accès qu'à ça. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a accès aux montagnes? Attendez. Merde, une fée. Oui, on l'avait visité le donjon. Attendez, j'ai une vieille idée de dos. Et évidemment, lui. Je ne vous co... Putain, je connais personne. Mais. Ça va que j'ai ma fée, mais bon. Mais non, mais... Bon, est-ce que j'ai fait déjà tout ce qui était faisable dans ce monde? Bon. Mon dieu, de la magie. On sait que c'était éteint depuis 1987. Thank you.
Bon. C'est quoi comme item pour le moment? J'ai beaucoup trop de choses, mais j'ai pas la le boomerang, j'ai le grappin, j'ai la bombe, j'ai les deux bâtons des éléments, j'ai le marteau, j'ai le fil à papillon, j'ai la cape, j'ai le miroir, j'ai le bâton qui fait les blocs, j'ai le flacon, j'ai les bottes, j'ai des gants, j'ai le truc pour j'ai la perle de mon sbire. D'accord. Tu commences à me faire chier, tu commences à me faire chier. Attendez, j'ai une... Par contre, c'est juste comment l'atteindre, c'est ça qui m'emmerde. Chemin quoi. Si, ok. Putain, mais à Jean-Michel. Putain, mais oh, Jean-Mi, tu fous dans les fourrés. Non, mais c'est déjà fait. J'ai déjà parlé au gamin, il m'a déjà filé une merde. Ah ouais, tiens. Ah, compte du pognon. J'ai déjà eu Michelin malade qui voulait son bocal. Bon tiens, un quart de cœur, c'est toujours ça de gagner. Putain. Oh, t'inquiète, mais c'est juste que... Une fée. Une fée. Putain, la fée. Donne-moi la fée. Dégage. Merci. Bon. Moi, maintenant, je vais aller tester une théorie. Oui, c'est peut-être déjà 22h. Venez là, bande de vœux. Merci. You need key, but not hookshot. Hein? Besoin de la cape, mais pas du hookshot. Pour vendre ta merde, tu peux rester chez toi. J'ai pas un pet de... Bon. On va voir ce qui se traîne par ici. Putain, pas ça. Eh ben putain.
Ah, d'accord, elle se présente comme ça la cave. Ah. Alors c'est comment qu'on va là-haut? Les 500 rubis, c'est pour aller voir qui? Pour aller voir machin, pour aller voir le maître de la rivière? Ah oui, au nord. J'ai pas cette chute d'or. Ah. Bah oui, je sais bien que je peux pas sans lumière, mais bon. Bon. On va essayer de retourner voir Jean-Michel Poisson. Il m'avait dit qu'au niveau du truc de sable, j'avais fait la grotte à droite, mais j'avais peut-être pas fait la grotte de gauche. Viens me voir l'oiseau là. On va tenter Jean-Michel Poisson. On va voir s'il est encore vivant. Donne-moi 10 balles. Donne-moi 10 balles.
On va retenter Jean-Michel Poisson en espérant que ce soit pas laser. Oh putain, du laser mi. You met who full like. Putain de. Mais non! Il manque ce fichu arc aussi. Mais alors dans le monde River Soul, il est où? C'est pas Jean-Michel Poisson? Ah non, je sais où je voulais aller. Je voulais tenter la au fin fond de la forêt de Monsby là. Oh, là par contre j'ai le dos qui commence à dire bonjour. Évidemment. Je me souviens pas d'être assis ici. J'ai dû la visiter cette baraque. Est-ce que je suis sûr de l'avoir visité cette baraque? Ça me dit rien. Ouh, ça me dit rien du tout ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut mettre de la poudre. Oh non. Et ici là-haut. Quelle merde. Je n'ai pas la poudre. Ah tu... Layton, bon, bon deux. C'est qu'en fait à la base ça avait été pensé pour que je puisse avoir l'aide du chat aussi. N'ayant jamais fini le jeu. Puis avoir malgré tout un peu d'aide. Après oui c'est sûr que l'autre jour à un moment donné ils étaient tous en train d'hurler. Ah pose une bombe là, ça m'a cassé les couilles mais... Ouais toi tu... Hop putain. Mm-hmm.
Donc on va tenter. Alors, par contre, par. On passe par là. Non, pas par là. Débit. Comment ça va? Mais Biff, il connaît le jeu. C'est quand même... Randomizer de dos. Bon, randomizer, randomizer. Et y'a Biff. Ridley qui se sent comme à la maison, prêt à balancer des gardes la pêche. Comment ça va, Biff? Putain, à côté de ça, oui, c'est sûr qu'à côté, Xeno, c'était une partie de plaisir. Ah, tu leur quais. Bon. Claqué. Oui, 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 putain. Oh oui, ça passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que toutes ces entrées? Ah putain, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Non, mais non, mais non. Ça me dit quelque chose, ce truc. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce donjon? Je fais l'angle. Voilà. Ouais. Oui, non, ça, ça pue les emmerdes. Que ça, si je saute dessus. Ouais, putain. Ah oui, mais ça veut dire que normalement. Eh merde, non. Ah bah. Dis-moi que c'est. Là, un peu quoi. Viens me voir. Putain. J'ai vu la bombe. J'ai vu la bombe. Je me suis refait emblème. Y'a pas. Attendez, y'a pas une. Ah oui, mais je. Eh. Il est dans le fion, dans le fion. Ah ah. 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 Oh oui. Oh oui. Ah oh merde. Ah mort Fire Emblem. Non, j'avais commencé le 4, il était cool. Ah ça c'est... C'est intéressant. Bon. Rendez-nous à Dunsworth. Mais non, mais... Non, non. Non, 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 non. Oh oui, merci. Bonjour madame. Ok. Ah, en plus eux ils sont chiants parce que je suppose qu'il faut... Faut les cramer, jeu de merde. Oh là, la main qui fait peur. Une clé. Pas moyen d'arnaquer le jeu là comme ça en mode... Ouais. Oh attendez. Et merde. Bon bah allez, direction le début. Ah ah. Ah oui d'accord. Ah mais attendez. Ah putain. Putain mais... J'ai une idée, vite. Marche.
Ah putain, Xenosaga, m'en parlez pas. Non mais ça vient de tous les... Il est mauvais. Ouais, j'ai vu qu'il y a dessus. Quel enfer. Mais non, mais non, mais... Oh. C'est quoi ce comité d'accueil? Mais c'est quoi ce vieux comité d'accueil qu'ils m'ont fait là? Puis, allez, hein, et... La grosse clé. Maintenant que j'ai la grosse clé. Moi qui... Si je la torche... Putain, pourquoi ça l'a comme ça? Mais non, mais... Attendez, vous savez quoi? Voilà, merci. Vu que j'ai récupéré la clé, c'est-à-dire que je peux me barrer. Les techniques. Alors par contre, lui. Putain. On va l'équiper. Hey coucou. Hey, hey, je te bait. Vas-y, viens. Maintenant, on a ouvert la voie ici. Salut, et bisous, hein. Hein? Ah merde, ah, ça c'est pas prévu. Une boussole, hein? Incroyable. Quel enfer, quel enfer, quel enfer. Je sais pas où aller, mais je suis. Ah! Oui, je reconnais. Putain, je reconnais ici. Donc là, je sors. Pardon? C'est moi. Ah punaise. Ouais. Je suis pas là. Ah non, c'est vrai. Ah, attendez. Merde. J'espère que je vais pas mourir face au... Voilà, Jean-Michel... Oh, merci. Désespère, désespère, désespère. Désespère, Paul. Ah, voilà. Et câble jack, oui. Oh. Ah bah tiens. Oh putain, ils me suivent comme des... Bon. Et merde. Merde, oula. Ah. C'est bien, j'ai enfin de la magie pour les cramer.
attendez. Bonjour. Putain, le gang. Oh, le gang. Merci. Oh, putain. Et ça, ça sent le truc intéressant. Pas du tout. Si, du moins, si, mais non. Merde. Bon, maintenant que ça s'est fait. Et... Donc ça c'est la citrouille. Alors ça c'est le passage. Putain, mais ça tire loin cette merde! Bonjour! Non. Ah non! Quelle merde! Putain. Je peux pas aller par là. Oh putain. Je suis vraiment coincé. Attendez, quoique. Non! Il m'a touché. En plus j'étais en attaque slash, bref. Bon. Oh. Impossible pour Jean. Ah. Non, ça faut t'arrêter. Bon. Ça me fait chier parce que je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on essaierait le putain, comment ça se fait le désert? Il y a déjà une banane avec le désert, mais je me souviens plus. Hein? On est quoi? Oui. On va se tenter un truc. Oh putain, en plus avec l'autre. Oh non, il m'a volé mon bouclier. Mon bouclier. Mon 50 balles. Alors, l'original, j'y ai joué il y a 15 ans. Voilà, cordialement. Et c'était sur... C'était sur Games Boy. Un truc par là, y a pas un coup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, salut. Allez, coucou, allez, bisous. Dans l'original, comme j'avais dit, moi j'étais arrivé jusqu'au Dark World et j'avais dû faire les trois premiers donjons grand max. Dans mon vrai, j'étais coincé, mais j'avais. Comme je dis, j'étais petit. Misery Mine. Ah, enfant du démon. Ah, j'avais déjà un peu fait l'original, mais rien de bien. Oh. Rien de bien extraordinaire. What?
Hein? Attendez. Ah merde. Oui, mais j'ai pas le livre sacré de Monsby. Je crois que c'est ça qui me manque. Donc si j'ai pas le livre... Voilà, Nick. J'ai pas le livre, donc Nick. Mais parler d'un coin à visiter, un coin à bomber même. Mais parler d'un coin à champignons. Non. Ah oui là. Oula, attendez ça. Ouh, j'aime pas ça. Merde. Putain, j'ai plus de bouclier. Bonjour. Qu'est-ce que... Du pognon dans la tour de Ganon, mais je m'en fous. Hein? Hein? Quoi? Je suis un homme perdu, dans un monde sans foi ni loi. Ah, c'est pas Jean-Michel Gros, mais je me souviens même qu'à l'époque, j'avais galéré. Ouais, le truc c'est que j'ai pas... Attendez, on va voir s'il y a pas un truc... Attendez, je vais voir. Ressources. Run, randomizer, simulateur, guide, non. Glitch, non. Ah tiens, Xankar. Tutoriel, tutoriel, tape des dégâts, tracker HUD. Qu'est-ce que c'est ? Non, je veux changer de carte. Je vais pas me connecter sous ce compte-là. Alors, Dark Room Map, non, on s'en fout. LTTP cheat, non. 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 Randomizer ressources. Putain, mais c'est où? Général? Vous voulez aider? Non. Putain, c'est où? C'est le premier rando. Exactement, Kinup. C'est mon tout premier rando. Et en fait, c'est pour un... C'est une contrainte pour...
pour comment dire, pour mon émission. Sauf que le truc, c'est que Henri m'a filé ça, il m'en a fait deux, les gens ont voté pour un des deux. Sauf que j'y connais rien en rando. Moi, en rando sur ce jeu, tu me files un rando SOTN, 1 heure et c'est loché. C'est bienvenu. Donc voilà, en fait, la contrainte, c'est contrainte, parce que le principe de ces missions, on handicap nos streams. Et la contrainte là, c'est de faire le randomizer, sauf que j'ai pas fini le jeu à l'époque. Et que je suis perdu. Et que évidemment, j'ai pas mis de tracker. Bravo moi. Ouais, justement, j'en cherche un, mais je trouve pas. Je suis en train de chercher dans les ressources, mais je vois pas où. Je vais revoir peut-être que sur le site que m'avait filé Henri quand il en a parlé. Dans l'acide, on s'en fout. Emo tracker, qu'est-ce que c'est? Emo tracker. Emo tracker. Download. Install now. Oui, on enregistre. Et je crois que j'avais déjà vu ces trucs à une époque. Oui, on va le mettre dans LT. On va directement le mettre dans le truc, le setup. CDL. Alors. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Oula! Qu'est-ce qui s'est passé avec mon image? Bon, bref, c'est pas grave. Ah ouais, desktop. Attendez. Vidéo. Voilà, merci. Non, mais pourquoi j'avais déjà un Zelda dessus? Amusant. Alors. World. Attendez quoi? Faut que je prenne quoi? Emo Tracker officiel LTTP support? Non. Comment on va? Il appartient à propre donjon. Ah! D'accord. Mais attendez, on parle de quoi? De l'Emo Tracker officiel ou de la version randomizer? Ah non, glitches. Ah ben non. En tranche, randomizer, map tracker. Ah! Sachant que je suis pas en glitch. On va installer ça. J'ai perdu les deux. Donc. Standard map tracker. Thème tracker whisky. Ah oui, non, mais non, mais non. Hein? Ah, mieux. Ah! Petit nuage, oui, petit nuage. Voilà, mon Dieu. Alors, on va essayer de faire un truc propre. Vous allez rien voir, mais c'est pas grave. On va essayer de se faire un truc en mode. Comme ça? Ouais, ça a l'air pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, j'ai tué personne. Attendez quoi? Oh, je suis perdu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le boomerang. Boomerang 1. On a les bombes. On a les deux baguettes, on a le marteau, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, ça. J'ai eu le champignon. Épée 2. Non, oui, ok. Prends le standard map tracker. Mais je l'ai déjà, hein, il est installé, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai oublié là-dedans? Si, j'ai ça aussi. Oula! Alors ça, a déjà été fait. Ah, ça a été fait.
Chicken House a été fait. Big Kit, ça a été fait. Taverne, ça a été fait. Librairie, ça a été fait. Ça, ça a été fait. Non, ça, je l'ai pas encore fait. Hotel Vendor, ça a été fait. Merde. Qu'est-ce que j'ai oublié? Un gamin stupide. Voilà. Blind House, ça a été fait. The Well, ça a été fait. Lost Food, ça a pas été fait. Bonk Rocks. Ça a été fait, ça? Hyrule Castle et Sanctuary, ça a été fait. Graveyard Lage, non. Kingstomb, non. Witch Hut, ça a été fait. Ice Rod Cave, ça a été fait. Putain, mais c'est... Oula, c'est chiant, les Peanut Location. Y'a pas un moyen de le faire différemment? Ah, mais cassez-vous avec les glitches. Je ne peux pas. Lumberjack Cave. Ah oui, ça, c'est avec des... Mini Moldorm. J'ai pas fait ça. Comment tu l'atteins, la cave du Mini Moldorm? Oui, on avait parlé de la cave du Moldorm. Dame. Dame, ça a été fait. Oui, Dame, ça a été fait. Attendez. Donc. Ah oui, le Moldorm. Ah oui, mais j'ai perdu. Putain, j'ai perdu mon truc. J'ai perdu. J'ai perdu mon bouclier. Comment on y va? Hein? Quoi? Mais quand j'y vais? Oh, au secours. Animal Dorms? Oui, il m'avait parlé de cette histoire, mais comment on l'atteint? C'est qui est chiant. Merde! Ah, mais c'est dans le Light World, putain, je suis encore dans le Dark World. Moi j'étais en train de me dire oui normal tranquille. Non non mais j'étais encore dans le persuadé des noms de light. Ah. Ah ben voilà Mini Moldorm. Attendez, Mini Moldorm, il y en a combien? Oui, le Moldorm, El Famoso Moldorm. Alléluia. Bon. Oh là. Bonjour. Yes. Ouf, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ah d'accord, j'ai épée 3. J'ai gant 2. J'ai la poudre magique. Attendez, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors ça du toit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. C'est tout? Merci, bif des bifs. Ah mais j'ai épée 3. Et donc là je peux accéder à quoi? Ah oui, le truc. Ah oui, bah je vais aller voir les nains là. Cassez-vous, cassez-vous, je suis trop fort. Tais-toi là, tais-toi. Ah oui. Donc attendez maintenant. Mais oui, mais il en avait parlé en plus, Henri, du Mini Moldorm. Merde. D'accord, cave du Moldorm. Oui, j'avais compris que j'avais le meilleur boost. Fini les embrouilles. Fini les embrouilles. Merde. Merci, Clinus, pour les infos. C'est... Vous voyez bien le tracker ou pas au fait, à haut à droite? Vous me dites, hein, au cas où. Moi, vous le voyez bien. Ah non, pas le frelon. Non, pas le frelon. Non, pas l'abeille.
Bah y'a l'abeille. L'abeille va se calmer. Tracker, on distingue rien. Bon. On pourrait le mettre. Ah non mais c'est la merde en fait. Obligé de le laisser comme ça parce que bon, je suis dans la merde. Donc maintenant. Par contre, il n'y a pas un moyen de dire que ça, ça a déjà été visité. Bon. Alors, c'est reparti. Youhou. Beaucoup trop petit et transparent. Le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai plus la place. Je vais rendre un peu moins transparent. Qu'est-ce que quoi ? Bonjour ? Hein ? D'accord. C'est tout ? Tout ça pour ça ? Non mais attendez, ça comment on peut le... Non. Attendez quoi? Ah voilà mieux. F2 ou F3? Ah! F2. Autorisé, oui. Ah oui, mais non. On sait déjà où on est allé. Voilà, mieux. Ah oui, mais non, je suis con. Broadcast view. Oui, mais broadcast view, il m'intéresse pas. Moi, je veux la map. Ah, ok. En gros, ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre en fait ce qu'on cherchait à faire. Voilà. Et ça fait quoi ça? Oh putain, je sais plus ce que ça fait. Ah oui, d'accord, oui, ok. Donc par contre ça veut dire que... Ah oui ok c'est clic droit quand on a visité, là j'ai visité, j'ai visité. Oui. 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 Purple Chess, je sais plus. Ice Rod Cave, oui. Witch Hut, oui. Next tomb. Ah bah oui, je peux aller à la tombe du roi. Donc maintenant, bonjour. 2. Purple Chess pas fait. Ouais mais non. On va d'abord aller à King's, à Graveyard et tout ça là. Ah bon, ok. Bon. Bonjour. Est-ce que ça on l'a fait? Ça on l'a fait. Ouais on l'a fait. Il y avait mais on l'a fait. Donc maintenant c'est parti pour le cimetière. Alors. Ah, c'est vrai. Alors, ça par contre. Tu peux pas me foutre la paix, toi? Merci. Comment tu fais? Oui, je joue sur SNES 9X. Putain. Mais non, mais viens là, viens te battre. Viens te battre, enfoiré. Tu bouges dedans. Bon, bonjour monsieur. Dis-moi qui est la torche. Oh, dites-moi qui est la torche. Ah, flacon de merde.
Par contre, Graveyard Ledge. Ah, ça va être. Bonne question. Bon. Ça va être fait. Y'a pas un peu le chest qu'on a pas fait. Ice Rod Cave, je sais plus. Et Lost Wood aussi. Merde, putain, mais il m'énerve, Jean-Michel, là, avec. Vas-y, voilà, vas-y. Voici chez Ménère. Vous voyez qu'il est 23h10. On va s'arrêter là, les amis, parce que je suis claqué. Oui, oui, bah oui, en plus. Ah, mais. Bon, moi on est au courant. Merci encore pour ce tracker de qualité. Une version de SNFX que tu peux utiliser? Ah ouais? Auto-tracker, d'accord. Ah, c'est de la triche. Je pourrais sauter, j'utilisais la personne qui vient me dire c'est de la triche. Ah, ça traque tout seul. Ouais, mais bon. J'aime bien ce côté un peu old school. Et moi, c'est un demi-cœur en plus. Bon, maintenant qu'on. Ah non, ça par contre, ça marche toujours pas. Bon. On va se faire un save and kit ici. Parce que je suis claqué, de toute façon. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup Kinub de m'avoir aidé avec ce tracker. Maintenant comment on sauvegarde par contre? Le Kinub qui fait partie de la communauté ALTTPR française, francophone. Et donc oui, par contre, je sauvegarde où ce truc? Attendez. Ah, il y a un auto-tracking. Alors par contre, ouais, comment on sauvegarde, s'il vous plaît? Dites-moi. Save. Pas de soucis. Alors attends, Nemo Tracker, save file. On va dire HNS. Alors là, si je fais ça, application file open. Je fais juste ça pour tester. Application file open. Ah non. Ah si. Ah si, c'est cool, d'accord. Bon. Bon, merci encore, Kinup. Pas de soucis, de toute façon. Maintenant, c'est vrai que maintenant que j'ai le tracker, ça sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je fais, moi? Ça sera beaucoup plus simple. Donc, merci encore. Passez une bonne soirée. Et nous, on se retrouve. Attendez, je vais voir le planning. Alors, selon le planning, on se retrouve pas avant dimanche après-midi. Sauf que. Bah non, en fait. Je pensais vous dire vendredi soir, mais vendredi soir je suis de sortie, samedi soir je suis de sortie, samedi en fait toute la journée je bouge. Donc ouais, dimanche après-midi pour HNS. Donc ça fait tard. Mais dimanche après-midi on pourra continuer, donc évidemment Kinup et tous ceux qui font des randos, vous êtes les bienvenus, en plus de mes viewers habituels. Et oui, on se retrouve pas avant dimanche.
Et oui, dimanche, parce que bah je travaille et puis après je quelques trucs à faire ce week-end. Dimanche, c'est le début du tournoi, donc oui, donc ça sera compliqué. Mais là, avec ça, ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Et puis après, de toute façon, après ça, il se peut que bon, la semaine prochaine, il y aura un peu plus de stream que d'habitude, avant d'attaquer les fêtes. Et puis de toute façon, vu que je suis passé à 35 heures, bon ben voilà quoi. Donc sur ce, des bisous, à plus, merci encore, et puis reposez-vous bien, parce que moi c'est ce que je vais faire.